Bonjour les amis, une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit cœur romantique avec ceci que l'on m'a envoyé, un joli cœur en bois comme ceci. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Je crois savoir qui c'est, mais j'ai peur de le dire, de peur de me tromper, donc je ne dirai rien. Voilà, on va faire ce petit cœur romantique, je pense en suspension, et on va venir déjà mettre, j'ai pensé le faire déjà avec du papier à musique, voilà, parce que j'adore, j'ai vu la vidéo de Nani, l'atelier de Nani, à qui je fais un petit coucou et des bisous, et elle faisait une jolie carte, sa vidéo, c'est carte du 18e siècle avec du papier à musique. Et j'ai dit, c'est vrai que c'est très joli et je m'en sers pas assez. Et en plus, j'en ai. Alors là, franchement, hein, et là, c'est La Molinara par Beethoven. Nel cori più non mi sento. Ah non, je confonds avec autre chose. Bon, vraiment mal. Mais en plus, je connais ça. En lisant ça, ça me rappelle l'air, mais il me vient en tête. Bon, bref. On va donc commencer par faire... Alors, le problème de ce petit cœur, voyez-vous, c'est qu'il est en deux parties. Vous voyez, il y a un léger dénivelé. Casse-le, tienne, c'est pas grave. On va voir comment on peut faire. Je prends toujours des crayons où il n'y a pas de mine. C'est marrant, hein. Bon, alors déjà, on va voir le sens. Le sens du papier... Dolce. Moi j'aime bien quand on retrouve des mots, on va voir comme ça, c'est pas grave. Parce que je veux pas qu'il y ait trop de blanc quoi. Bon, enfin bref. Hop, hop, je fais déjà ça dans un premier temps. Et j'ai découpé autour, mais j'ai redécoupé un peu le cœur parce que je voulais qu'on voie ce bois autour. Vous voyez, je veux pas que ça soit à ras-bord du truc. Tu vois qu'on quand même qui. Bah, l'effet bois, quoi. Donc, moi, je vais vous... Alors, et puis, je vais décorer avec des fleurs crème. Alors là, je me dis là, c'est le pompon. J'avais quand même acheté beaucoup de paquets de fleurs comme ça. Dites-moi si je suis cinglée ou pas cinglée. Elles existaient bien en tout crème. C'est-à-dire sans le rose. Et ben, j'en ai pas. Je dis, c'est pas vrai. Parce que j'en avais pris pas mal quand même des paquets. D'ailleurs, je crois que j'en ai que deux, hein, comme ça. Je revois pas tellement où j'ai mis ces fleurs là en plus. Ce qui fait que bah je sais pas, j'en ai pas des masses quoi. C'est bizarre. Parce que je veux mettre. Je ne voulais pas mettre de rose. J'en ai marre du rose. Enfin, je. C'est pas que j'en ai marre, mais j'en mets partout quand même. Hein. Donc là, je voulais faire un truc nature, quoi. Crème, voilà. Bon, pas de couleur. Si vous voulez, ça va être un peu un cœur. J'ai pensé ça, un cœur avec sur l'idée de la trappe-rêve, avec des rubans qui pendent. Vous voyez? À défaut, parce que j'avais dit que je ferais un pinceau, puis en fin de compte, j'ai pas fait. Voilà, j'ai mis ce papier. Donc, ça serait bien d'avoir le pliwar. Vous en pensez? Je vous remercie pour tous vos super commentaires que vous m'avez mis sous la vidéo les pendules à l'heure là. Et j'ai trouvé ça vachement gentil. C'est voilà, ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai vu que vous étiez là quoi. J'ai vu que vous étiez là et que. Voilà quoi, parce que des fois, bon bah j'ai pas spécialement vu, ni d'abonnés, ni. Voilà, bon, après on finit par se demander, y a quelqu'un à part mes fidèles, mais ça les fidèles. Ça. Alors du coup, j'ai vu d'autres abonnés aussi qui viennent, pour ainsi dire, jamais commenter. Et c'est dommage parce que moi, ça me fait plaisir de les lire. En plus, ça permet, y en a quelques-unes qui se parlent entre elles, tout ça, qui se connaissent, en dehors de mes vidéos d'ailleurs. Donc, voilà, ça faisait plaisir, quoi. Bah, ça fait plaisir.
voyez là, il y a le petit filet avec le scalpel. Qui... J'en ai un autre dans mon stock là, mais je l'ai pas. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Hein. Ou alors avec une. Comment ça s'appelle là, les ponceuses là, les... le papier de verre là. Vous voyez, je voulais que ça fasse bien quoi. Vous voyez, je viens. Alors, je crois que c'est Isabelle qui m'a envoyé ce cœur là. Isabelle, tu me diras si c'est toi. Il y avait aussi un oiseau sur une branche. Et là, je viens de finir mon album transparent. Et j'ai vu l'oiseau. Parce que du coup, je l'ai rangé dans ma boîte à gros bois. J'appelle ça mes gros bois. Et j'ai dit, mince, j'aurais quand même pu mettre cette branche. Elle aurait bien été sur, sur l'album, quoi. Ok, et là, je vais ancrer en noir. Mais j'espère que, ça va être discret, quoi. C'est un petit peu délicat. Ça, oh, je suis en train de penser à quelque chose. C'est que j'aurais dû ancrer. Maintenant, si je décolle le cœur, je sais pas si ça va le faire. Non, ça va pas le faire du tout. Ça va le déchirer, surtout. Mince. J'aurais dû ancrer... Bah, faites pas comme moi. Ah, tant pis. Tant pis. Je voulais pas... Je voulais pas ancrer le bois, bah voilà quoi. Bah, ça fera un cœur noir. Tant pis, tant pis. Ah, je suis en train de dire tant pis, mais ça m'énerve. Hein. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai sorti une petite cache grise. Ça va pas être gagué, mon cœur, hein, si je mets du gris et du noir. Je vais... alors... Ouais, le problème, c'est que mes fleurs, les crèmes, elles sont trop petites. Bon, je vais mettre sur pause, je regarde encore. Ouais, non, j'ai bien regardé, j'ai pas les beiges. Alors, j'ai retrouvé ça, c'est joli, ça, ces petits papiers. Il y en avait un qui était cassé, où il est. Je viens de le recoller, parce que, évidemment, pour force de... Ah, voilà, bah celui-là aussi, quoi. Les ailes, elles partent du corps, quoi. Et le problème, c'est que je voudrais... Voilà, ça, je veux pas la pince, moi. Je trouve ça super joli. Il est un petit peu grand pour le truc, mais je m'en fous. Là, j'ai des fleurs blanches. Il y a du brillant dessus, là. C'est énervant, alors. Ils mettent du brillant partout. Et là, on peut pas les tordre, les ailes, là. Faire style... Elles sont grosses, les fleurs. Hein. Elles sont un peu trop grosses. Je sais pas si vous voyez. J'avais ces bleus-là. Et vous savez que le bleu et le marron, c'est très joli. Hein. C'est très doux, c'est vraiment joli, mais j'avais pris ça, mais je crois que je vais les garder pour le... Peut-être pour le junk, les fleurs bleues délavées, là. Parce que je trouve ça magnifique. C'est vraiment très très joli. Les fleurs, j'ai trouvé un peu trop grosses. Donc on va atterrir sur les petites roses, là, je pense. Hein. J'ai les fleurs marron de Béné aussi, mais... J'ai retrouvé ça. L'autre fois, je cherchais qui m'avait envoyé. C'est Instant Papyrus. Je sais plus ce que c'est que j'ai fait. Et je vous disais dans la vidéo, j'arrive pas à lire. Mais c'est Instant Papyrus. C'est Dominique. Elle m'avait envoyé ces petits cadres aussi qui sont très, très jolis. Seulement, j'aime beaucoup. J'adore, j'adore. C'est très, très joli. Mais ça ne va peut-être pas aller avec ça. Donc, on va voir. Ouais, celles-là, elles sont pas grosses non plus, hein. Alors, faut tout mettre. Je sais pas. Je voulais faire un peu une grappe de fleurs. Bon, je vais voir ça. Je viens déjà coller. Je vais mettre mélanger grosses fleurs et petites fleurs. Donc là, je viens déjà mettre celle-là. Celle-là. Il va falloir aussi que je... J'essaie de les centrer quand même. Que je trouve... Oh là là, c'est pénible ces fils-là.
T'énerve pas, celui. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Que je trouve de la dentellasse. Oh ah, la banane. De la dentellasse. Il faut quand même que ce soit centriste. Voilà. Alors vous mettez votre colle. Votre multitude. Oh, là, il y a plein de... Attends, où est-ce qu'il y a mon assiette? Il y a plein de colle sur le plan de travail, là. Voilà. Colle. J'espère que j'en ai encore en stock, parce que... J'ai plus beaucoup de bâtons de colle, là. Hop. Hop. Voilà. Ça sort d'où ces paillettes là? Il en manque une là. Hop. Hop. Voilà à peu près comme ça. Et là, j'ai fait des petits tournicotis, tournicotas de... Mince. Ah! Vous savez bien. Vous savez pas. De bandes... attends, faut pas se tromper de sens. On va prendre une pinçage. Une pinçage, elle est fêlée, celle-là, elle est pas nette. Là, je parle de moi, hein, vous inquiétez pas. Alors, on fait un tournicotis. Oh mince. Tu vas te calmer, toi, hein. Elle est pas nette, elle, hein. Non, mais elle aboie toutes les deux minutes, là. Hop. Ouais. Vous voyez ce que ça fait? Des petits, je sais pas moi comment vous dire, des cotillons. Des cotillons de... De notes de musique. Des petites bandes, vous tournez ça comme du bolduc, par exemple. Et hop, là, trop pointaille. Hop, vous venez couper un bout de colle et vous venez coincer. Voilà, et ça fait ça. Vendu. Ensuite. Comme ceci. Alors, le pire, j'ai envie de le mettre, ce petit papier. Parce que, par contre, les ailes se barrent. Donc, on remet un petit peu de colle à l'intérieur. Et hop, en avant, Guingamp. Oh, bah, il a perdu une antenne. Oh non. Il part en confiture, mon papillon, là. Un petit peu de colle au bout de l'antenne. C'est de la chirurgie, ça. Oh, je vois même pas le trou d'œuf. Voilà. Parce que ça aussi, je les avais gardés pour... Ah non, j'avais gardé ça, les papillons, pour du steampunk. Ah, ah ouais, là, il est un petit peu chamboulé, le papillon, moi. Faut le rafistoler un peu parce que là il perd ses plumes. Hein. Hop là. Voilà. Est-ce que c'est ok ou pas ok? Et là vous pouvez le mettre là par exemple.
Là, j'ai ma petite cage. Alors, bon, vous savez ce qui se passe là? Le papillon, je le trouve un petit peu grand. Ah! Ouais, je le trouve un peu grand. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'il fasse. Ah, bah attendez, peut-être qu'il veut faire ça des ailes. Bon, là, ça. Franchement, il est mal en point le truc. Hein. Oh, il va pas bien le papillon. Moi, j'ai envie de le. Oh, non, mais il va pas bien du tout parce qu'il se barre là. Il part en cacahuète. Bon, bah, je vous dis qu'en ce moment, j'arrête pas de me brûler. Oh, tu m'embêtes, hein? Tu m'embêtes, tu m'embêtes. Ouais, le problème, c'est que. Il est un peu grand, quoi. Essayez de le mettre comme ça. On enlève la filasse, bien entendu. Voilà. Et, pardon, excusez-moi. Et là, je vais ni plus ni moins. Il y a la lumière, là. Oui, non. Aller chercher de la dentelle. J'ai ramené tout ce qu'il faut de dentelle. Ça, je crois que c'est Eve. Eve. Il n'est pas très grand, mon cœur. Hein, donc, bah, vous voyez ce que je veux dire. Ça, on ne peut pas en mettre plein, quoi. C'est sûr que si votre sujet est grand, bon bah, c'est plus malléable quoi. On peut plus. C'est pas évident là. Mon ciseau. C'est pas si facile. Que c'est joli ça quand même. Hein. Donc on va venir coller. Coller. Un peu de part et d'autre. Je me dépêche là. Parce que monsieur. Monsieur colle tout partout. On va rentrer. Alors. Comme ça, on va mettre de la beige. Parce que vous voyez, ça part vite quand même. Hein, Non, c'est beige ou pas, ça? Ça, c'est la blanche. Ça, c'est la beige. On va venir faire ça. Voilà, on n'appuie jamais comme un sourd de manière à pouvoir rectifier les choses. Eh, j'aimerais bien qu'elle reste bien droite. Pourquoi elle fait ça? Voilà. Et j'ai même ici du tulle. Et le tulle, je ne sais pas si. C'est peut-être Eve aussi qui m'avait offert ça. Ça fait un peu marié, mais c'est joli quand même. Attendez. Hein. Là, je fais un nœud avec du tulle. On va essayer de voir ce que ça fait. Mais. C'est pas une obligation. Hein. Vous mettez tout ce que vous avez, mais. Qui reste dans le ton, quoi. Ça, je peux le coincer là. Ça fait joli. Donc, c'est marrant, on dirait qu'il est légèrement crème. Crème rosée, quoi. Je sais pas. Voilà. Vous voyez, un peu comme ça, ça fait un peu. Ça fait un peu rien parce qu'il ne tient pas. Bon coin. Voilà, attendez. On va retenter l'expérience. Ça fait un peu mariage, hein. Mariage, mais pas gay quand même, hein. Parce que bon, c'est. Ouais, le tulle, il n'est pas blanc-blanc. Il est un peu crème rosée. Bah tant mieux. Moi, je préfère. Là, j'en ai encore un morceau, mais j'aurais bien mis du tulle ailleurs. Tulle ailleurs ?
Va-t'en. Voilà. Ouais, parce que du coup, ça donne un côté vaporeux qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, on s'en fout si ça ressemble pas spécialement à un nœud, hein, c'est pour faire un peu vaporeux, quoi. Voilà. Je vois pas ce que je mettrais de plus. C'en est tout. Après, je pense que je mettrai ici, je vais mettre de la ficelle. Voilà. Là, j'ai mis une petite ficelle en haut. Je vous fais des petites photos parce que ici, vu le fouillis qu'il y a sur le bureau, on voit rien du tout. Je vous fais des petites photos et puis voilà, c'en est tout. Et juste là derrière, ce qu'on vient de mettre, c'est on redécoupe un cœur de la même forme et on vient le cacher. Cacher, vous mettez du craft derrière, par exemple. Et vous cachez le tout. Voilà. C'en est tout pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donne une petite idée, un truc facile à faire, sympa. Et puis ça décore bien, c'est joli. Voilà. C'est fin, ça se mange enfin. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Shimmy, yeah. We could unwind if you stand me.